Bonsoir à tous et bienvenue sur Stubby TV 2 français pour cette super finale de la Nation Cup 9 entre la France et l'Allemagne. Moi je suis l'as de cœur avec Someone, Kikou Someone. Bonsoir, bonsoir. Voilà, voilà, merci à toi d'être là, merci les gens sur le chat. Et, en général, c'est après le live qu'on dit merci. Non, mais moi j'aime les. Non, mais voilà. Voilà, mais t'as raison. Non, je t'ai coupé, je m'en excuse, voilà. T'aimes pas les gens, t'es comme ça, t'es gris là. Non, moi je suis ouvert, je suis open comme on dit. À ne pas interpréter. Bref. On va y aller bientôt. Que dire, que dire. Les deux équipes. France-Allemagne quoi, merde. Ah oui, voilà, bah, les deux équipes ont roulé sur tout le monde quasiment chacun de leur côté jusque là. Ouais, ouais, les Allemands ont eu quand même un arbre beaucoup plus difficile que les Français. Puisqu'ils ont affronté en quart de finale les Pays-Bas contre qui ils ont perdu une map, et en demi-finale les Suédois, bon, contre qui ils ont extrêmement bien roulé et à qui ils ont laissé qu'un seul petit point. En revanche, les Français, ouais, ont quand même été un peu plus gâtés sur le papier, en tout cas au niveau de l'arbre, hein, puisqu'ils ont affronté en quart de finale l'Espagne, qui sont battus 7-1, 7-1, et en demi-finale la Pologne 7-1, 7-3. Donc voilà, on se retrouve avec les deux plus grandes nations Trackmania ce soir. Ça promet un match qui va être intéressant. Ouais, c'est un peu ça, on a déjà vu hier avec pas mal de joueurs qu'on a ici ce soir qui étaient chauds. On a vu des bonnes choses en STC, donc voilà, ça promet, comme on dit. On va sûrement commencer avec Neverland. La map, oh my god. La map qui a fait se poser pas mal de questions sur le choix des maps pour la STC. C'est vrai que c'est une map qui est très très difficile, on l'a vu hier, hein, pour ceux qui ont suivi le match Penta contre Linitas. Beaucoup d'erreurs sur cette map. Et on espère que ce soir ça passera mieux, mais bon, voilà, le problème c'est qu'elle est très 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 random, il y a beaucoup d'endroits où on peut se fail quasiment partout sur la map en fait. Donc ça risque d'être compliqué pour les joueurs. Ouais, ouais, une map où clairement c'est la survie. Online on a rarement des maps aussi difficiles quand même. Donc voilà, il faudrait... Oui, ça peut s'inter ça. Il faut bien safe, il faut survivre et quand même sortir des montants, mais rien, parce qu'on a des gros adversaires là. Mais oui, on est quand même en finale quoi, c'est... Ah, ouais. On s'attend à du beau match. Je pense qu'on va être servi. On a un world record, hein, par un français. C'est Chronos qui a le world record sur cette map, 59-006, ouais, donc très très proche, hein, de 58. Je sais que Frostbull a 58,199, un truc comme ça je crois. Oui, exact, c'est pas le world record, effectivement Frostbull a fait un 58, tout à fait. Ouais. Mais bon, voilà, de toute façon c'est des gros temps, on peut voir avec le DD30, ça s'écarte assez vite, parce que voilà, une map très compliquée, on est en 55, et comme d'habitude on a une multi aussi, en troisième map. Ouais. Et ça se joue à la map. Et on va en cette map comme ça. C'est parti. Eh oui, ouais. Oui. Chronos, Alex, Omnipot, Zach et Ranked contre Chillerside, Beat, Massa, Renew et Dovi. Que des gros noms là qui roulent ce soir, donc. Ouais. Allez, là, c'est parti. C'est vraiment cycle 58 et ouais, on est parti premier round. Donc là, voilà, petit gauche-droite, on a déjà perdu quelqu'un. Et ouais, une erreur, il me semble que c'est un français. Alors non, on a un end-round. On a un end-round, c'est voilà, Alex qui n'est pas parti. Voilà, donc Alex qui n'est pas parti. Donc ouais, globalement, le début, il faut être concentré. Voilà, on a un petit gauche-droite, il faut bien le gérer. Sinon, la plateforme, après, on est mal, on perd du temps, pire, on crash. Après, ça va un peu pas trop mal. Et on arrive à la fin assez tranquille. Donc c'est surtout début et milieu. Rapidement. Et un finish ouais, qui est extrêmement compliqué. Ouais, faut faire attention à un virage, mais après on finit vite, donc c'est vrai qu'on peut attaquer d'un côté. On a une erreur de Renew déjà. Là on arrive à un... Et une erreur de Chronos sur ce premier run. On a passé le gauche, on a passé vraiment réduit. Oui. On va assez vite, on est obligé de prendre la vitesse, sinon ben... Et on a vu plusieurs joueurs qui ont fail, hein, c'était Beat, Alex et Omnipot qui se sont plantés sur ce passage. Alors que devant c'est les Français qui sont là avec Zach et Ranked. Ouais, Zach et Ranked qui sont sur des bons temps. Ouais, ouais, Massa en troisième position. Ouais. Oh, Massa qui va faire une énorme faute, qui va rattraper malgré tout, mais il va perdre beaucoup de vitesse et Chronos va passer, ce qui risque de faire un point pour les Français. Oui, de toute façon, ça fera 1-2-3.
Hop, un bon run des Français là. On peut voir, hein, il n'y a que 2 temps en 59, hein, donc voilà, que 2 temps moins d'une seconde du dédien. Ça, voilà, une map difficile. Effectivement, une map très compliquée à Régu. Allez, ce sera deuxième run. Ouais, voilà. C'est bon pour les Français donc, qui voilà, ils étaient 3 devant, ils ont, avec notamment Ranka et Isaac. C'est bien, faut continuer. On est reparti, je crois qu'il y a un peu d'erreur au début cette fois. Non, tout le monde est passé, il me semble, non, personne n'a touché. On a juste les Français qui sont un peu en retrait sur ce début de map. Ouais. Mais voilà. Attention, et c'est Chronos qui va partir à la faute avec Beat aussi. Et on a... Bon, ouais, voilà, on a perdu Chiller aussi qui vient refaire une erreur derrière. Et devant, c'est serré entre Massa, Omnipot, Dovi et Alex là. Les 4 sont très très bien. Wow, Omnipot qui va sauter un peu, il a perdu beaucoup de vitesse. Et là, ça laisse deux Allemands devant. Il n'y a plus que Zach avec Renew qui revient bien. Attention, Massa à pas être trop large, non, et ça passe pour le joueur allemand. Il va sûrement tout exploser, même Omnipost, il repasse sur Renew, ça va vraiment compliquer. Massa un petit peu d'avance. Là, il va la garder. Ouais. Oh, et Zach qui va aller taper. Ouais, Zach il a tenté. Et ça va faire donc le point pour les Allemands. Ouais. Partout. Voilà, donc on l'a vu maintenant, une map vraiment, les trajectoires sont vraiment très précises. On peut vite prendre des no drift ou toucher quelque part, c'est pas simple. Et coucou au chat, hein. Ouais, merci à tous hein, qui sont là sur le chat. N'hésitez pas à discuter, à balancer vos pronostics pour le match. Peut-être mettre en jeu une boîte de Pringles ce soir. Ouh, la fameuse boîte, c'est la même que d'habitude ou non, c'est une autre? Alors, je tiens à préciser quand même pour les mauvaises langues, parce qu'il y en a hein, qui disaient que Goz et Juni Vince, donc, qui avaient remporté leur boîte de Pringles, les ont effectivement eu lors de les ESWC un petit peu plus tôt cette année. Allez, retour sur le match. Ouais, on a eu des erreurs, on a vu une pote, ce passage difficile au milieu qui a touché. Devant, c'est un 2 contre 2. Complètement plutôt un 2 contre 1. On a Chronos et Zach qui a la lutte avec Massa. Ouais, mais ça va. Et voilà, Zach qui va faire une petite erreur de trajectoire là, qui a perdu de la vitesse. Derrière, par contre, il y a beaucoup d'Allemands. Hein. On a Dovi, Renew et Vite. Mais Ranked est là aussi, hein, il va pas se laisser faire, il va tenter d'attaquer je pense sur Renew sur le finish, attention. Et Ranked qui... Oh, Massa la grosse erreur. Ouais, il était trop large, le problème c'est que si on drift trop, après on est trop à gauche et on reprend et voilà, on tape le bord, enfin on tape, la voiture saute. Et voilà. Chrono 59-30, c'est propre. Il a déjà fait un 158, on l'a même pas vu. J'ai deux bons temps pour Chronos. Mais ouais, ouais, c'était ouais. Non, c'était en match. Donc voilà. Le 50, le 158, tu veux dire? Ouais. Non, c'était en warm-up. C'était en warm-up. C'était en warm-up, c'est pour ça. Ouais, ouais. Donc là, un point 3 en match. Bien. Donc les Français qui prennent avance, c'est Chiller tout de suite qui a fait une erreur. On va prendre à droite, prendre la vitesse. Ensuite à droite, on va arriver au passage très resserré. Donc là, ce passage, il faut prendre un petit peu exter si on veut. Comme ça, on a une trajectoire plus simple. Faut passer. Et voilà. Ouais, on a vu hein, les Allemands qui sont passés trop large, Killer Side par exemple, qui a perdu beaucoup de vitesse, et Renew aussi. Ouais, y a... Alors que côté français devant, bah, c'est plutôt bien, on retrouve Zach et Omnipot devant à la lutte avec Beat. Ouais, Beat et Massa, Zach il y a un poil d'avance quand même là, jusqu'à la fin. On a 3 Français contre 2 Allemands, c'est pas trop mal, il y a Ranked qui est là. Ouais. Oh attention, Ranked là il est passé limite, mais il est passé plus à l'intérieur, du coup il va peut-être avoir plus de vitesse. Il prend un peu trop large, ouais. Beat qui est derrière, c'est bien pour les Français. Oh attention, Omnipot, ouais, ça passe. Et joli temps de la part de Zach, point 36. Les Français qui roulent bien. Cathy qui, ça y est, il est parti. Et c'est ce que j'étais en train de... avec Cathy, ouais, sérieusement quoi. Coucou à toi Cathy. Bisous partout mon Katik. Ouais, allez, 3-1 pour les Français, qui tiennent. Ils ont la recul quand même, ils sont pas mal devant, c'est pas mal. Ils sont bien. Je rappelle qu'on va en 7. C'est en 7 points, sauf la multi qui se joue en 3 points. Ouais. Pas de tennis mode, le respawn est autorisé. Ouais, ça, c'est vrai que beaucoup de joueurs ils pensent pas respawn, oui. Mais c'est autorisé. Le respawn est autorisé pour la STC. C'est vrai que c'est une règle qui est pas. Peu de gens appliquent finalement, c'est vrai que souvent on se pose la question. Dans mon match hier, on a eu des Dell chez nous alors qu'on pouvait respawn.
Ce qui a fait des matchs nuls en plus, donc on a un peu ragé. Bref, on est bien pour le Tour de Run en tout cas, ouais. Par rapport au premier round, là, il y a. Oh, Chronos! Il a pris nos drifts. Ouais, alors là, on a souvent nos drifts, on a pas cette vitesse, c'est compliqué. C'est dur à éviter, mais bon, on a quand même une pote côté français qui est encore devant. Avec Chiller pour le coup qui fait un bon job côté allemand. Avec ouais, Chiller qui est pas rentré dans son match encore pour l'instant. J'espère que ce round va pouvoir lui permettre de. Il a perdu un peu. Oh, Zach! Zach, il a tout coupé à la fin. Zach, mais cette attaque de Zach sur le finish, magnifique! Ouais, très il va passer Renew et Chiller Side là. Waouh! Wow. Zach en 60, voilà, 74, 76, 77. Et du coup, le point français, 30-25. Donc, bien joué à Zach qui gagne des places à la fin comme ça. Il a vraiment, vraiment bien joué. Chronos régule nos drifts. B. Et on est reparti 4 pour les Français qui ont quand même bien la map en main. Même si les Allemands posent une belle résistance. Ouais, mais les Français là qui sont très 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 bien partis dans cette entame de match, ils n'ont perdu qu'un round pour l'instant. On va voir sur celui-là parce qu'on a quand même un peu des Français un peu derrière. Là, ouais, ils sont pas très très loin encore, mais il va pas falloir faire d'erreur quoi. Ah si, on a Ranked qui a fait une erreur et Alex qui a plus d'une seconde maintenant. Ça va être compliqué, il va falloir que devant Omnipot et Zach, hein, on retrouve les deux, ouais, il va falloir qu'ils assurent. Zach qui est premier en point avec 43 points pour l'instant, il fait un très très bon travail côté français. Et Chronos hein, aussi qui est pas très très loin, ah si, il vient de faire une erreur Chronos juste au moment où je dis ça. Dovi qui attaque, Dovi qui est passé devant Omnipot, il va se contenter d'attaquer un peu Zach, dont Zach est là. Ouais. Il aura passé Omnipot quand même, une bonne fin de Dovi. Est-ce que ça... Oh non, c'est chaud pour les Français là je pense, ouais. Ouais, derrière ça a pas suivi avec Alex et Ranked 4-2, ouais, donc pour les Français. Allez, Zach 53 points qui est en train de faire une très très belle première map. Ouais, il ouais, y a combien de rounds? 6 rounds? 6 rounds, ouais. Ouais, bah... 6 parce que le premier a été une round. Ouais, 6, ouais. Ouais, 6 rounds, 53 points, c'est. C'est bien. C'est bien. À ce niveau-là du jeu, c'est pareil. Bref, là on a Ranked. Waouh, Massa qui va faire une erreur là. Trop intérieur, il est monté sur le petit muret et du coup, il a perdu beaucoup de vitesse. Et on retrouve notre français Zach en première position. Oh, oh non, qu'est-ce qu'il vient de se prendre là. Du coup, il a pris le bug. Et ouais. Et l'Omnipost qui est Omnipost. Ah là, ça va être compliqué. Les Allemands sont 4 devant. On voit difficilement comment ils peuvent perdre ce point là. Renew, Dovi, Massa et Chillerside sont là. Ouais, là ça va safe, ouais. Tranquillement. Je crois que Dovi a quand même fait. Ouais, mais bon, je pense qu'ils sont tranquilles les Allemands là, pas de pression sur cette fin de round, voilà. C'est ça qui finit. Malgré le retour d'Alex sur Chillerside qui ne passera pas. Ouais, 4 points inférieurs à 1 minute, hein, c'est pas mal du tout quand même. Bien paquet. 4-3 donc les Allemands qui reviennent à un point. Ouais, deux rounds d'affilée il me semble. À 38-17 ça fait mal. Allez, c'est pas grave pour les Français, ils sont quand même devant. Faut se reprendre, pas perdre le focus, c'est important. Ça peut aller très très vite hein, à ce niveau là. Mais ouais, 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 il faut pas laisser des rounds faciles, faut faire attention. Allez, on est parti. On a vu quand même pas mal d'erreurs, hein, des bugs qu'on peut prendre sur cette map, une map très technique quand même. C'est intéressant aussi. Et pas d'erreur hein, pour l'instant sur ce start. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, oh, Zach. Bah voilà, c'est fini pour Zach sur ce run. On a toujours Massa, on a toujours Nipos côté français qui est toujours devant comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ouais. Suis, et Alex Chronos, on va faire juste à la fin. Beat qui fait Beat qui va faire une grosse erreur là, voilà. Et du coup, il va falloir qu'Omnipot aille attaquer sur Massa Chillerside qui va faire une erreur, qui a sauté trop extérieur là. Ouais, et du coup, oh Chronos! Chronos qui a été trop large là sur la remontée, qui va s'envoler devant, c'est Massa qui va vraisemblablement prendre la première place, ouais. Omnipot ne reviendra pas. Ouais. Très très bon temps de la part de Massa. Hein. Dommage pour excellent coup, temps. Un nouveau point allemand, ouais, un bon temps de Massa en point 11. Massa, c'est quelqu'un monstrueux, de Massa. Je le vois jamais se faire attraper sur la fin. Au contraire, même quand il est devant, il arrive à distancer. Il a vraiment une fin propre. 59-11 de la part de Massa, quoi, c'est énorme ce temps. C'est énorme. C'est juste énorme en round comme ça en match. Après, bon, c'est Massa. Hein. Donc, on n'est pas tous capables de le faire. Mais ouais, gros temps.
Du coup 4-4 hein, les Allemands qui sont sur une bonne dynamique en ce moment là, 3 rounds. Ouais, attention à Chillerside là qui est passé à gauche au start. Je pense pas que c'était voulu parce qu'il devait être trop extérieur, mais du coup il perd un peu de vitesse et on a une erreur d'un Allemand. Bit, c'est vraiment retourné là, c'est vraiment... Ouais, ouais, là c'est fini pour lui et ça peut laisser une opportunité pour les Français là. Ouais, on a toujours Massin hein, côté allemand, il a vraiment depuis quelques rounds fait le truc, même si là il est un peu trop large. Du coup, il n'est pas sur le même de vitesse, il y a Kronos aussi qui est là, bah Kronos qui crash, c'est bon, c'est fini. Du coup, il nous reste ouais, Zach, ouais. Mais il y a Dovi, ouais, parce qu'il est trop large, Dovi Renew, ça va être compliqué, c'est pas qu'on joue sur la fin. Et ouais, les Allemands qui sont bien réveillés. Voilà, Massin gagne au drift. Ouais, on a aussi un Audrey sur ce parti, si on n'a pas beaucoup de vitesse, faut faire attention. Du coup, c'est Zach qui est devant, il y a aussi Ranked, dommage, il vient de toucher, mais Omnipods qui double Dovi. Du coup, vitesse là, c'est bien propre. Du coup, ça risque de faire un point français malgré tout, hein, qui était mal parti à l'entame de ce round et finalement qui reviennent. Ouais, voilà, les Français qui font le point, c'est important. Là, de raccrocher tout de suite, de pas se laisser voir les Allemands partir. 5-4 à 2 points de la map. Toujours Zach premier en point devant Dovi. Ouais, 69 points pour Zach, hein, petit clin d'œil. 66 pour Dovi, 60 pour Massa, 57 pour Omnipots. Donc c'est assez. Comment dire, assez. Ça fait un damier quoi en fait, voilà, c'est. Ouais. Quasiment. Qui a du mal à être dans ce match, ouais. Et ouais, c'est Kronos 35 points seulement. Hein. Kronos, on est habitué quand même à. Voilà, le train avec présent, on a apporté beaucoup à l'équipe, bref. Alors que Chillerside qui était très très mal parti en début de match là est en train de revenir et Zach qui va faire une erreur. Ouais, c'est dommage pour parce que les Français. Les 5 Français sont au milieu parce qu'on a eu deux gros crashs totalement. Malheureusement, il n'y a aucun. Voilà, si. Ah si, voilà, Beat. Enfin voilà, on peut pas dire que je suis content. Mais... Beat il fait une petite erreur, du coup, Kronos à l'ex-passe et c'est pas mal pour les Français. Ouais, attention quand même hein, parce que Chillerside et Dovi sont loin devant et je pense pas qu'ils seront rattrapés. Alors que Beat va tenter, je pense, une attaque et oui, ça va passer sur Kronos. Alex qui va passer, Alex qui va partir à la faute. Et les Allemands qui font 1-2-3 et qui reviennent à 5 partout. Ouais. Bon, malchance, Alex, il arrive même pas à finir. 5 partout, du coup, ça promet une fin de map. Palpitante. Ouais. Pas de tennis mode, hein, on le rappelle. Ouais. C'est le premier à 7 points. La compétition peut jouer sur un round tout à l'heure. Oula, oh, la grosse erreur de Chillerside ouais, là sur aussi, le début. Petite erreur là, allez, c'est bien pour les Français. Faut qu'ils saisissent l'occasion, j'ai envie de dire. Ils voient tout de suite qu'il y en a deux Allemands qui sont en retrait. Et les Français sont bien devant là, pour l'instant. La compétition toujours. Ouais, allez, ça part c'est bien là. Ouh, Renew. Eh oui, ouais. C'est Renew qui a fait l'erreur là, qui a été trop large. Et du coup, il reste plus que Massa entre 4 Français. Bah, même 5, hein. Bah, il y a Ranked qui est un peu derrière. Mais... Oui, il y a Ranked qui est là, qui a passé Dovi, effectivement. Kronos qui le no-drift de Kronos. C'est pas la première fois qu'il le prend, c'est vrai que c'est vraiment. Non, c'est bien la 3ème, 4ème fois qu'il le prend ce no-drift. Et du coup, on retrouve Massa toujours seul devant là, avec Dovi qui fait une belle remontée sur les Français là, qui va attaquer Dovi. Il fait souvent des bonnes fois, on va voir si les Français sont là. Ah non, ouais, il va passer Alex. Et on a une erreur d'un Français, c'est Ranked, effectivement. Avec encore un très très bon temps de Massa, alors je pense que ça va faire un point pour les Français. Ben, ouais, ça va faire un point pour les Français. Ranked doit quand même réussir à. Ouais, Chillerside est trop loin pour finir donc. Chillerside finit. Ah si, il finira quand même, mais limite. Un point français, pas aussi large qu'on aurait pu l'avoir quand même, 29-26, alors qu'ils étaient bien partis. Qui restent concentrés, hein. C'est des petites erreurs qu'on aurait pu se passer quand même. Mais bon. Et ce finish quand même de Rank Renew qui n'avait aucune vitesse était assez comique à voir. Ouais, c'est assez sympa. Allez. Balle de map, round de map pour les Français. Et pas d'erreur sur le départ. Ouais. Et Ranked dans l'impost qui sont. Enfin, les Français, vraiment. La Massa prend un peu de vitesse. Mais ça passe bien. Ouais, pour l'instant, c'est bien grappé. On a. Ah oh trop inter. Et on a Zach qui est en retrait aussi côté français, attention les Français, ça peut leur coûter cher. On continue à faire un travail depuis quelques rounds. Ah, et bon, j'ai cru qu'il avait touché mais même pas, c'est Dovi qui est un peu large, ça s'est pas bien. Oh, et l'erreur de Beats. Oula, Ranked qui sautille, dommage. Ouais, Massa il est large, même Dovi qui arrive à prendre la deuxième place. À la lutte avec Kronos.
Ouais. C'est pas encore fini hein, pour les Français. Attention sur ce finish. On a Ranked qui va attaquer sur Chillerside derrière. Ah non, non. Si... Oh, Tovi qui perd la faute. Et alors attention, attention. Alex qui est rentré sur la fin. On a Ranked aussi. Et oui, Alex qui a passé Chillerside. Ah, non, ça fera un point pour l'équipe de France. Puisque Omnipots est passé devant Dovi. Voilà, on le dit souvent, mais en 55, on peut pas avoir de match nul. Mais là, on a souvent des matchs nuls sur les 8 premières places, en fait. Et donc, c'est voilà. Le 9ème qui ramène le point. C'est voilà, c'est le 9ème qui décide du résultat. Waouh voilà. Les Français ont de la chance sur ce run, parce que c'était pas gagné. Les Français, 7-5, voilà. Donc, sur cette première map. Ouais, j'ai joué aux Français, ils ont bien entamé. Et après, bon, ils ont tenu, on va dire, après. Et c'est passé au final. Hein. Voilà, voilà. GGAE, non, c'est alors non, c'est pas cette map. Là, on est sur le nouveau map pack. Donc, on va switch. Oui. Petit fail de la part des admins. Hein. Flo, si tu m'écoutes. Alors, on va passer donc sur la map Correct Me If I'm Wrong de John. Et je ne te corrige pas, tu as bien dit le nom de la map. Oh, c'est beau, c'est beau. Non, franchement, c'est beau. C'est digne d'un Vubus ou d'un. Merde, j'ai oublié son nom, d'un Katik, pardon. Ah, carrément, c'est... Ah, bah, c'est... Là, tu me flattes, hein, niveau Katik. J'espérais pas tant. Donc, une map que t'es. Une map que t'es, tout à fait. On aurait quoi? Ce serait Safran. Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est Safran qui a le World Record en 1.79. Je sais pas si c'est le World Record, mais voilà, c'est le dédié 1. Voilà, le vrai dédié 1, c'est Safran en 0.2.79. Ouais, voilà. Et coucou à Scream sur le chat. Et ouais, donc Safran, voilà, 1-2-7, une map, bon, tout de même pas facile, hein. On est quand même en fin de compétition, les maps sont assez techniques, mais quand même plus accessible que l'autre, que la précédente. Là, on pourra un petit peu attaquer, on pourra, voilà, pas juste survivre. Attention à la fin, mine de rien. Et là aussi qu'on voit Chillers, bah voilà Chillers qui est tapé pour nous montrer ce qui peut arriver. Merci à lui. Attention un peu à la fin, mais voilà une map accessible pour avoir des attaques, des choses pas mal. Essayer de voir la fin avec Renew. Non mais je suis désolé, je repars sur autre chose, mais je suis désolé Katik, franchement c'est. Je sais pas pourquoi. Désolé, voilà. Mon petit Bruno. Je m'excuse. Je m'excuse tellement, si tu savais. Donc on les laisse dans leur scène de ménage. On va donc bientôt arriver sur cette map. Bon, restez avec moi, oui. Someone fait son... Règle ses problèmes de ménage. Ouais, encore un ou deux warm-up et on va y aller. Sur cette deuxième map, la France a gagné 1-0. S'il gagne celle-ci, je pense qu'on verra même pas la multiple. Sinon on ira sur la map. Camomille, si je ne m'abuse. Ouais, Camomille, map de Knacky, Team Cam, RPZ, TKT, je t'aime. Alors, côté line-up, pour les Français, on aura donc Zach, Knacky, Roa, Omnipots et Kronos. Alors que côté allemand, on aura Renew, Safran, Chillerside, Massa et Beat. Alors, j'espère pour les Allemands que Safran roulera mieux que ce qu'il a roulé hier, parce que sur cette map, on va pas se mentir, il a été extrêmement mauvais. Et je pense que ça a bien joué en notre défaveur. Bref, ouais, je ne vais pas revenir sur le match d'hier. Coucou Angelo, bisous. Et d'ailleurs, je peux pas m'empêcher tant que j'y suis. Faut savoir que voilà, Team Cam avec Orc en finale du lower bracket à STC. Donc voilà, on a une team française en finale. Bon, c'est pas le winner bracket, hein, c'est pas Sardinitas. Mais bon, c'est une finale quand même, on est content. Et alors, je vais en profiter quand on est encore dans les warm-up pour faire un gros bisou à Chuck qui essaye désespérément d'attirer l'attention dans le chat. Voilà, Chuck. Bon, que dire sur Chuck à part que c'est un joueur dirt un peu de merde qui fait la grève, un peu comme l'équipe de France finalement en foot, tu vois, il reste dans le bus au niveau des matchs. Enfin bon, ouais, bref, bisous, voilà. Bisous, c'est là son cœur, pas mal critique. Non, je t'aime. Je suis pas son cœur. Oh. Ah, critique en finale contre sa barquette de frites. Bah écoute, s'il y a un stream, tu me diras.
Ryan Curry, tout à fait. Ouais, je veux bien le stream parce que. Je pense à toi que bah, ce soir, par exemple, enfin tous les lundis, je vais au KFC. Je pense à toi, Cathy, qu'à chaque fois que je vais au KFC, McDo. La semaine dernière, j'ai fait McDo, KFC et Quick la même semaine, tu vois. Putain, mais. J'ai pu faire un. Mais c'est quoi cette malbouffe là? J'ai pu faire un comparatif, tu vois. C'est pas mal. Je fais un journal, je pense faire un blog. Bref. Faisons comme ça. En tout cas, qu'est-ce que ça dit les warm-up? Je pense qu'on ouais, je pense est dans le dernier vous, warm-up. Ouais. Vous êtes bien sur du Trackmania quand même, hein. Oui, oui, bien sûr, okay, on raconte pas que des conneries, hein, finalement. Allez, c'est parti, le restart, JLHF. 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 Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si jamais il y en a qui viennent de nous rejoindre, la France a gagné la première map sur le score de 7 à 5. On va débuter la deuxième map. Et j'en profite pour une petite précision. Ne partez pas tout de suite après live parce qu'on aura Omnipot, le capitaine de l'équipe de France, qui viendra nous parler un peu de son expérience en équipe de France, tout ça, pour une petite interview. Donc ne partez pas, restez avec nous. On a encore plein de choses sympas à vous proposer. Allez, c'est parti pour le premier. Ah oui, faut toujours, parce que sinon, tu vois, les gens, ils ont tendance à partir, tout ça. Bon, c'est un peu dommage. Ouais, bon, allez, on est parti. Donc, on a pas plus accessible que la précédente. Ce sera peut-être bien paqué à la fin, on verra. Vous avez les Allemands qui sont bien partis. Pour l'instant, on reste en tête. Pour l'instant, pas d'erreur, hein. Ouais, c'est bien coupé. C'est assez tranquille au début, là ça va se préciser un petit peu, il y a 2-3 tricks, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est on, pas a, on a snacky, hein, côté français qui a perdu un peu de vitesse, et les Allemands qui sont bien placés devant pour l'instant, ouais, sur c'est ce groupe. Qui font un meilleur run que les Français. On a, je crois, oh, attention, ouais. Petite erreur de trajectoire de Saki qui va faire une erreur juste derrière. Là, voilà. Il saut. S'est fait. C'est Bit qui. Non, Bit qui s'en sort bien quand même. Du coup, c'est Omnipost qui a quand même remonté un petit peu. Mais il y a pas mal d'Allemands devant. Et ouais, surtout qu'on a perdu deux Français, hein. Snacky et Zach qui sont derrière. Alors attention, attention sur le finish, il faut pas faire d'erreur. Ouais, et ça va passer pour tout le monde, ouais. Non, ça passe, on aura Safran, Renew et Massa qui font le job. Allez, 2,98 de la part de Massa, il annonce le ton direct, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, très très beau temps. On a très peu d'écart entre le deuxième et le huitième. Voilà, on a quoi, on a 2 dixièmes. Donc voilà, il va falloir forcer un petit peu, j'ai envie de dire, si on va aller. Là les points faudra aller les chercher, hein. C'est pas de la survie. Donc faut y aller, go. Ça donne quoi aux Iman? Les Français ont gagné la première map 7-5. Et là, 1-0 pour les Allemands. Sur la deuxième. Oh, petite erreur. Ouais, j'ai vu un joueur allemand qui a touché, je me demande si c'est pas Massa, et si c'est Massa pour les Allemands. Alors là ça va être plus compliqué déjà pour les Allemands, parce que Massa qui a été impressionnant, hein, sur cette map hier. Donc s'il commence à fail, ouh, Snacky qui vient de faire une erreur aussi pour les Français. Ouais, côté Français, malheureusement, on a quand même que Zach entouré de 3 Allemagnés. Bon, 3 Allemagnés. Et oui. Safran et Renew qui sont là. Ouais. Attention, aussi. Sur le saut, enfin, c'est là qu'il faut pas faire d'erreur. Ouais, ça passe. On a juste Chiller Side qui s'est pris un bug. Bic a toujours des petits problèmes sur le saut, il perd un petit peu quand même, c'est pas mal de Français de remonter. Ce qui est pas mal d'erreur, ouais. Il a fait une petite erreur. Sinon, on a quand même pas mal de Français. Est-ce que Zach va pouvoir réussir? Et il va falloir que Zach aille chercher les deux joueurs là. Il est plus inter, il essaye de raccrocher vite la route. Il passe. Oh, c'est très, très beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là, l'attaque de Zach à la fin. Il a pris bien inter, il a raccroché la route avant les autres, il a pu tourner et voilà, il a pris ouais, un dixième quoi. Et il est passé premier, GG à Zach. Rien à dire, on voit un joueur qui est capable de faire le taf à la fin là. Il a très bien joué. Il voit ce qu'il faut faire, il faut tenter, il le fait, c'est beau. Un partout du coup. Un partout et on est reparti, troisième round. Égalité et oui. Parfaite. Alors, la question qu'on peut se poser c'est, existe-t-il des égalités imparfaites? Alors ouais, selon moi, ouais, si y a des DL et tout, si c'est un truc pas... Enfin, après là, égalité, non. Là, non. Il y a plus de sens à égalité, je veux dire. Bon, thèse, antithèse, synthèse. Non, je rigole. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Ouais, non, allez, chat. Plus sérieusement. Ouais, voilà, si vous avez la réponse sur le chat, n'hésitez pas à nous faire partager vos opinions là-dessus. On est curieux de savoir tout ça. On retrouve Massa, du coup, côté allemand. Et Zach, côté français. Ce qui n'est pas voilà. Et c'est assez taqué quand même. On a quoi une erreur, on a quand même Snacky et la Bit qui vient de toucher. Oh, Renew qui vient de faire un passage monstrueux là, qui va revenir. Zach, j'ai l'impression, il a fait une petite erreur de trajectoire, il a perdu de la vitesse. Par contre, mais là, il va bien revenir. Derrière Massa, si les trois arrivent à finir là, c'est pas mal. Ouais, attention, et ça va passer pour les Français. Et bien joué là, ils vont réaliser la bonne opération. Ouais, 4 Français d'ailleurs. Roi qui... Et mais Massa, point 94 quoi. Ouais, Massa, voilà, point 94, il a déjà 2 temps inférieurs à 1-3.
Donc à quoi? Deux dixièmes du D10 quoi. Un dixième? Ouais, deux dixièmes. Deux dixièmes. Merci à Antoine pour 42 la réponse. Et Cathy qui a un autre avis. C'est bien sûr que ça réagit. Alors qu'on parle de la ragu de Massa, effectivement, Bubus nous fait remarquer la ragu de Snaky. Après, c'est vrai qu'au détour, le but c'est d'être aigu, donc bon, tu veux être aigu, aigu dans les derniers, bon, t'es aigu. Ouais. Bref, allez, 2-1 pour les Français donc qui ont fait un bon round précédent. Par contre, là, les Allemands sont aux avant-postes et on passe à SFR. C'est Safran et Regnault qui mène la marche avec Zach, encore une fois, des Français qui se bat. Et Safran. Et oui, ouais, qui a drifté trop tôt. Ouais, voilà. Trop serré. Zach qui s'intercale. Trop serré, putain, mais c'est faut pas sortir les phrases de leur contexte quoi. Il était un peu trop serré quand même, c'est limite. C'est limite. Hein, on va pas se mentir. C'est toi qui en donne un sens limite, hein. Pour moi c'était. Après, vu les personnes qu'on a sur le chat, c'est sûr qu'il faudrait éviter, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, ça va être très très serré pour ce Philippe. Tout va se jouer sur le dernier virage. Et ça va passer pour tout le monde. Non, Roy qui va faire une erreur pour les Français. Et du coup, Tillerside qui va remporter ce run. Mais derrière, on a les Français qui sont là. Ça devrait faire un point pour les Bleus. Il faudrait que Roy finisse. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, si Roy va finir avec un petit grass slide. Sympa. Original. Nice Roy, je le dis à la fin, c'est pas mal. Petit truc à la fin. Bref, 3-1 pour les Français. Les Français qui entament bien cette map. Encore une fois, on l'a vu, la map d'avant, ça peut être très bien de partir devant tout de même. Donc c'est bien, ils font la course en tête. Je rappelle qu'ils sont à 4 points quand même d'être champions. Et ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Et attention, on a vu les Allemands quand même qui se réveillaient sur la map précédente. Donc à voir. Ouais, à voir. Ouais, ouais, bah, surtout les Français, faut qu'ils tiennent aussi. Hein. Les Français n'ont pas commencé à faire des. Exactement. Voilà, ils avaient commencé à cracher, même quand ils avaient des rounds safe. Donc voilà. Allez, on est parti, il n'y a pas eu d'erreur dès le début. Et là, les Allemands qui sont encore une fois très bien partis, ouais, et non, Massa qui vient de faire une erreur. Massa qui est un peu en demi-teinte quand même. Massa, c'est voilà, c'est ou tout ou rien. Ouais. Et voilà, parce que il a fini 3 rounds très bien. Il a fait .94, .98, .08. Et les autres, bah c'est vrai qu'il a fait des erreurs. Donc. Alors que les Français, plutôt paquet. Waouh, Zach qui est passé vraiment limite la chiller side, attention un peu extérieur. Zach, bah, il va bien attaquer, c'est comme l'hypote, c'est oui. Et du coup c'est Safran qui va prendre la tête de la course. On a quand même Roy, Zach et Chronos derrière, est-ce que ça peut le faire? Safran qui fait l'erreur. Oh, Safran qui fait l'erreur et du coup, c'est Bit qui va passer, ouais, mais il y a 3 Français derrière. Ouais voilà, les Français, je crois pas qu'il y en ait déjà eu un Français, enfin si, Zach qui a pris en première place, mais sinon, ils sont surtout voilà dans les 5 premiers, on a 3 Français, et c'est pas mal. C'est ça, c'est là qu'on voit ouais, que les Français bah, sont bien train malgré ouais, tout. Ils sont train et on a de la qualité en France quoi, je veux dire, on a des joueurs. On a Chronos qui s'est réveillé hein, de sa performance ouais, un Chronos, peu. Ça, bien, bah là on voit au point, ouais. on a Zach et Chronos, hein, Zach toujours, Zach qui fait un gros match. Ouais Chronos, ouais, Zach là, qui est très très bien dans son match. Hein. Donc voilà, 4 points pour les Français, 3 points d'avance quand même, c'est pas mal on va dire, on va pas s'en plaindre. Mais c'est pas fini, et voilà, Roy et Chillerside qui viennent de faire deux erreurs là successivement. Ils se sont dit, bon, on fait là, gars. À part ça, devant, on reste en 4-4, c'est encore assez paquet, mais si on a plutôt un pack de devant. Avec Zach et Reno, Snaky qui sont un peu distancés. Devant, on va se mettre sur Bit. Ah, Massa qui a crash. Safran qui prend le drift. Oh, Safran qui va faire une erreur, bonne, ouais. Bonne option des Français là. Ah là du coup oui. Safe, on a Chronos, Omnipod, c'est Zach. Les 3 sont. Ouais, attention, un Massa qui revient, un Massa qui attaque, mais. D'où il arrive. Comment il fait ça, sérieusement? Ouais, c'est Zach, et Zach aussi qui a un petit peu de mal, donc on a plus. Ouais, Zach qui a perdu de la vitesse, qui s'est fait. Oh, Renew qui va se prendre un bug bordure. Oh non, c'est moche ce qui vient de se passer pour le joueur allemand là. Ouais, les deux Français l'ont fait devant, donc voilà, on aura un nouveau point français. Les 5 Français dans les 8 premiers. C'est propre. Ouais. 5-1 pour les Français là. Ouais, les Français ils sont vraiment bien quand même. On a même Omnipost qui est passé, voilà, et on a 3 Français devant en point qui font le boulot là sur cette map. J'aime bien et j'aime pas quand il y a Bubus et Katik sur le chat parce que. Enfin. Ils font des blagues de merde, certes, mais il y a toujours une bonne ambiance. Ouais, non, mais franchement, Cathy qui sort des lags, franchement, je sais pas s'il les bosse longtemps ou pas. Si ça vient comme ça. Je sais pas, faudra qu'on l'interview hein, une fois après un live. On lui demandera c'est quoi son secret, sa recette. Est-ce que c'est le McDo? Est-ce que. Je sais pas. En tout cas, 5-1 pour l'équipe de France. Et ouh, le capitaine là, voilà, qui vient de prendre un petit bug.
Ouais, capitaine dont on aura une interview à la fin du match, je rappelle. Omnipod sur TeamSpeak. Bien placé, bien placé. Sinon, on a Massa. Bah, non, pas trop Massa en fait. C'est Chronos qui fait du Chronos. Là, ça va être plus compliqué pour les Français, je pense, parce que c'est du 4 contre 3. Et ouais, Zach, j'ai l'impression qu'un peu le test. Oh oui. Et ouais, et Renew qui a fait une petite erreur. Donc attention. Roi qui va fail. Il a tenté, il fallait tenter de toute façon. Yeah, exactement, il fallait tenter. Et ça va faire un point pour les Allemands, puisque Snaky et Roi se sont fait passer donc par Beat et Chillerside sur le finish. Ouais. 5-2 donc pour les Français. Attention à pas laisser trop revenir nos c'est voisins allemands. Oh mon dieu, là, putain, allez, ça y est. Bon, allez, 5-2 pour les Français. Slevin qui se découvre quoi pour perturber les Allemands. Ouais, non, mais Katik. En fait, je pense que là où c'est drôle dans la blague de Chuck, c'est que du coup, on s'attend à ce qu'ils disent c'est un mec qui rentre dans un café et plouf. Or là, dans sa blague, c'est pas et plouf. Du coup, ça donne un petit côté funky qui est assez intéressant. J'aime beaucoup cette blague. Merci, Chuck. Personne n'arrive au milieu de la map, du coup on a passé la partie la plus facile, on a massé Omnipox qui fait des petites erreurs. Surtout massé un moment. Oula, on a perdu un entraînement je crois là. On est avec Roi, on a Chronos, Zach contre Renew et Beat devant. Pas trop mal pour les Français quand même. Donc, ouais, les Français qui sont bien, ils sont très très bien. On a Safran qui est très loin derrière. Roi donc, qui fait une opération, Zach. Oula. Ah bah non, c'est Roi qui fait l'erreur. Eh, Roi et Zach aussi a perdu de la vitesse hein. Donc attention finalement, c'est pas gagné. Même si on a Chronos qui est toujours devant, attention. Zach, ça c'est la troisième place, Chronos il fait le job. Zach, ouais, oh, ça passera pas. Ouais. Mais ça fera le point pour les Français. Et les Français qui ne sont plus qu'à un point de remporter leur 8ème titre en NC quoi. Ouais, les Français, round de NC. Les Français qui n'ont perdu qu'une seule fois en NC, alors je sais plus, il me semble que c'était la NC 6. Jamais il y en a dans le chat peuvent me confirmer ça contre la Suède. Sinon ils les ont toutes gagnées depuis le début des compétitions. Ça ferait du bien parce qu'en Coupe Davis ce week-end les Français c'était pas ça contre la Suisse. Effectivement. Cher. Enfin tu verras, on est d'accord. Contre Suisse, hein, ils habitent tous en Suisse. Bref, on a quand même Omnipod devant, elle est avec Massa, elle habite aussi. Ça joue. Y a pas une attention Omnipod, ouais. C'est bon. Il était un peu large, il m'a fait peur, mais du coup, les Allemands qui sont pas trop mal. Quoique, les Français sont quand même bien aussi. Attention à Chillerside là qui va revenir et qui va passer sur Zach. Ouais, Chiller qui perd un petit peu là. On a Massa devant. Zach et Snaky qui a fait une bonne remontée en milieu là. On arrive sur la fin, je suis sûr que Zach et Omnipod vont tenter d'attaquer un petit peu. Mais oui, ça va passer. Attention, Beats qui va passer, qui va ressortir externe. Qui il va falloir attaquer sur le dernier virage. Et non, Zach qui va taper, qui va faire passer par Renew, Roi et Snaky. Ça va faire un point pour les Allemands. Ouais, dommage. C'est joué à la fin, il fallait tenter un petit peu. Massa inférieur à une 3. Hein. Une nouvelle fois, c'est lui qui a fait les 3 meilleurs temps d'ailleurs sur ce match qui ont été faits. Allez, 6-3. Les Français qui ont encore 3 balles de match, 3 runs de match. J'ai pas pardon. Compris la blague, mais. Et en fait, il était dans l'étang. Il était dans l'étang. Ah oui, dans l'étang, putain. Tu sais, moi, j'imagine pas de. Bref, ça a craché côté allemand. On va quand même s'occuper de ça. Et on y pose les chronos devant, ça sent bon pour les Français. Alors, on va un jour, faudra qu'on fasse un contest quand même. Hein. On fera un live blague, tu vois, genre on invitera tout le monde et on leur dira voilà, vous nous sortez votre blague la plus moisie, la plus pourrie et on élira le vainqueur qui gagnera une boîte de Pringles. Ouais. Allez, en tout cas. Il a perdu de la vitesse, du coup c'est Chronos devant. Et Massa, on est depuis tout à l'heure, il remonte, il attaque, il agresse, Chronos résiste. Chronos Massa là, Massa un peu moins de vitesse, Chronos qui repasse, on arrive à la fin, Chronos qui prend, ils prennent la même trajectoire tous les deux, ils raccrochent un peu. Et derrière, c'est serré entre Snaky et Renew. Snaky qui va passer et ça va faire le point pour l'équipe de France. Et oui, GG. Les Français qui gagnent leur 8ème NC, c'est ça. Leur 8ème sur 9 éditions. Assez propre, j'ai envie de dire. Ça fait quoi, du 7-5, 7-3? Ça fait du 7-5, 7-3, tout à fait. Donc voilà.
Rien à dire, j'ai envie de dire. Les Français qui ont été là, ils ont répondu présent, ils étaient favoris en même temps, donc c'est bien, ils ont fait le job. Eh ben, moi j'aurais pas dit qu'ils étaient si favoris que ça, parce que Ben, ouais, vu bah la oui, bah. prestation de l'Allemagne face à la Suède la semaine dernière, moi je dis c'était pas gagné. Bah, Maintenant, c'est ils nous sûr ont montré du que. beau jeu ce soir, J'étais donc. content là, pour le coup, ils ont suivi, y a rien à dire. Donc voilà. Ma foi. C'était pas aussi serré que certains l'auraient peut-être voulu, mais bon. Non, effectivement. Je Mais l'ai c'est vu, comme mais ça. j'étais no life. Ah, Scream qui est là aussi, Scream du coup qui jouera pas, Sniff. Bref, ben voilà, GG aux Français, GG aux Allemands quand même, hein. Bon, Ah finaliste, bah bien sûr, ils n'ont pas démérité les Allemands, le enfin. niveau était là aussi, hein, de toute façon. Ils ont quand même eu un parcours assez tendu, assez compliqué, donc finalement bien joué, bien bien.